inscription, pour les aides de l'autre sans inscription. Donc, ainsi, nous sommes presque à quelques jours du baccalauréat. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons jugé nécessaire de revenir sur certains détails que certains élèves n'ont bien entendu. Comme vous l'avez vu derrière moi, il y a une chose que vous devez comprendre. Certes, c'est le roman, mais ce que les élèves ignorent, comme j'ai dit tantôt, c'est l'aspect suivant. Ils croient qu'on ne peut pas avoir un sujet de roman mélangé. Qu'est-ce qu'on mélange? Les fonctions plus la réalité et la fiction. Les élèves croient qu'on doit avoir uniquement les fonctions dans un sujet, ou bien uniquement la réalité et la fiction dans un sujet. Non, tel n'est pas le cas. Restez sur vous. Donc, le sujet derrière moi fait allusion au mélange entre quoi et quoi, entre la réalité et la fiction et les fonctions. Donc, ainsi, partant de là, nous allons tenter ce qu'on appelle de démontrer qu'est-ce qui va se passer dans ce sujet. Et nous vous invitons encore davantage, avant de démarrer, à abonner sur notre chaîne YouTube. Merci. Voilà, comme j'ai dit tantôt sur la présentation, ici, il s'agit de l'un des géants du mouvement réaliste, en l'occurrence, M. Honoré de Balzac, qui appartient aux réalistes. Les réalistes ont deux visions par rapport au roman. Quelles sont les deux visions? Soit le roman relève d'après sa place, c'est-à-dire l'imitation du réel, mais la reproduction du réel, ou bien il met en évidence qu'on appelle les fonctions du roman et la fonction la plus présente s'appelle la fonction engagée, soit le militantisme, soit la fonction éducative. Mais les réalistes refusent de son enquête, le roman doit relever de la fiction ou bien de l'invraisemblance. Alors qu'est-ce que nous dit M. Honoré de Balzac dans son ouvrage intitulé La comédie humaine? Il apporte cette précision. Qu'est-ce qu'il nous dit? En dressant l'inventaire des vices. C'est-à-dire là, Balzac essaie ce qu'on appelle de s'interroger sur l'ensemble des défauts, d'où l'expression vice. Il met en évidence, après avoir s'interrogé sur l'ensemble des défauts, il met en valeur les virtus, c'est-à-dire la valeur de l'être humain. Qu'est-ce que cela veut dire? Si on s'arrête là, d'après Honoré de Balzac, qui essaie de reproduire fidèlement la réalité, il veut nous faire comprendre que toute personne a des défauts et ce qu'on appelle des valeurs. Maintenant, il essaie de rassembler le principal fait des passions, c'est-à-dire les vœux, les souhaits, les désirs, de qui? Forcément ce qu'on appelle de la société. Maintenant, en payant la caractère, c'est-à-dire il cherche à recadrer les comportements des uns et des autres. Le pourquoi? Il y a le verbe ce qu'on appelle payer, et qu'il sous forme de géronif. Là, c'est recadrer. Qu'est-ce qu'on recadre? Les comportements. Parce qu'il y a des comportements possibles, comme il y a des comportements négatifs. On s'arrête là. Ça veut dire que Balzac est en train de s'intéresser aux faits qu'on appelle la société, les défauts de la société, les valeurs de la société. Nous avons ce qu'on appelle les passions ou les niveaux de la société et les comportements ce qu'on appelle de la société comme j'ai dit tantôt. Qu'est-ce qu'il nous dit? En faisant ça, il n'a pas dit à 100%. Il a dit ce qu'on appelle touché. Peut-être pouvais-je arriver à écrire l'histoire oubliée par l'ambition. On s'arrête là. Là, la comparaison est sous-entendue. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on essaie? On essaie de c'est quelqu'un qui essaie de relater l'histoire marquée par les dates, etc. Maintenant, un romancier ne s'attarde pas sur ces dates. Cela veut dire que le romancier n'est pas ce qu'on appelle un historien. Dans ce cas-là, le romancier, il s'intéresse à des comportements. C'est la raison pour laquelle Balzac dit peut-être pourrais-je arriver à créer l'histoire oubliée par dans les souvenirs, laquelle vous laissez les mœurs. C'est un roman d'histoire. Lui-même, il le disait. Le roman, c'est l'histoire des mœurs. Balzac confirme la société française est historienne et moi je suis la secrétaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Un romancier doit tenter de reproduire exactement les mots de la société. Il ne doit pas apporter ce qu'on appelle des changements, il ne doit pas non plus ce qu'on appelle augmenter. C'est la raison pour laquelle, qu'est-ce que nous dit en conclusion, le roman c'est l'histoire de nous. Le roman doit reproduire l'ensemble de ce qu'on appelle les vies de la société en quelque sorte. Maintenant, partant de là, avant de toucher à la consigne, là, on est sur une chose. Balzac, quand il lit l'histoire de Meurs, il s'intéresse à l'ensemble de ce qu'on appelle les comportements que peut avoir une société. Autrement dit, il donne exactement la dimension de ce qu'on appelle Meurs. Comme je le dis à mes élèves, Meurs veut tout simplement dire l'ensemble des comportements que peut avoir une société. Maintenant, si on s'arrête là, on ferme la consigne. On demande à l'élève de reformuler le sujet. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore poussé la consigne. Maintenant, l'élève, qu'est-ce qu'il dit? Forcément, il dira. Le romancier doit reproduire fidèlement les faits sociaux. C'est la raison pour laquelle il nous dit que le roman, c'est l'histoire des mœurs.
Encore une fois, Jérémy Taco, celle remplace l'histoire de la personne. Donc, en grosso modo, ça c'est le sens que vient la reformulation du sujet. Le romancier doit reproduire fidèlement les faits sociaux. Alors, on demande à l'élève, est-ce que l'élève peut problématiser? Maintenant, le problématiser, c'est simple. Il y a certains élèves qui croient que ça c'est une fonction éducative dans la mesure où il a vu les passions, il a vu les vices, il a vu les vertus, il a vu les caractères, etc. Certes, pour un élève qui croit que c'est une éducation, on laisse passer. Mais en grosso modo, en parlant de ce qu'on appelle la reproduction, en parlant des caractères de l'histoire des mœurs, il fait allusion à ce qu'on appelle la vraisemblance de la romance. Justement, on sélectionne la vraisemblance. Parce que souvent, je reçois des messages venant des internautes qui nous posent la question suivante. Quelle est la différence entre la vraisemblance et la réalité? Mais la vraisemblance, c'est le voyage entre la réalité et l'imagination. C'est le roman comme reflet de réel, le roman comme reproduction de réel, le roman comme imitation de réel, le roman comme représentation de réel, le roman comme photographie ou le roman comme photocopie de réel. Donc ça, c'est le roman comme photocopie de réel, c'est le roman comme vraisemblance. Parce que Balzac, comme j'ai dit tantôt, essaie de reproduire exactement ce qu'on appelle l'effet de la société. C'est la raison pour laquelle, dans cette problématique, il y a ce qu'il dira. Toutefois, le roman se limite-t-il réellement à l'histoire ce qu'on appelle des mœurs? Le roman se limite. Là, vous avez montré que j'ai oublié l'expression réellement, mais ça ne fait rien, parce que vous avez le livre aussi pour ça. Le roman se limite réellement à l'histoire des mœurs. Et on s'arrête là. Maintenant, l'élève, qu'est-ce qu'il doit faire? Il a sorti son sens. Ce sont les faits sociaux que le roman se doit reproduire. Il met en évidence la vraisemblance, d'où la problématique suivante. Le roman se limite réellement à l'histoire des mœurs, ou bien le roman se limite réellement à ce qu'on appelle la vraisemblance. Maintenant, il est temps que l'élève j'ai concouru au niveau de la conscience. Est-ce que la réalité et la fiction aujourd'hui, comme j'ai annoncé au niveau de la présentation, ça nous le dira. Qu'est-ce qu'il nous dit? J'ai l'habitude de le dire. Il dit que dans vos formations des imprécis, vous montrerez d'abord, j'ai l'habitude de le faire dans les vidéos. Alors il continue. Là, il dit, vous nuancerez ce qu'on lui dit. Précédez l'expression ensuite. Et là, il dit, enfin, il connaît. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous ne savons pas encore est-ce que c'est la fiction et la réalité à 100%, ou bien à ce qu'on appelle des fonctions, mais on est sûr d'une chose. On sait que nous avons d'abord, ensuite, enfin, mais c'est le roman qui entre ensuite. Mais pour le moment, il faut croire que c'est la vraisemblance. Et la vraisemblance, pour la cette raison, ce sont ces expressions et ce qu'on appelle le sens que j'ai donné plus la problématique. Maintenant, ici, il dit, vous montrerez d'abord que le roman doit nous aider. Il doit éduquer la société à analyser. Qu'est-ce qu'il doit analyser? Les faits sociaux. Forcément, c'est le roman comme le fait dire. Parce que l'écrivain, il essaye d'imiter toute l'expression doit nous aider à appréhender. Il essaye de photocopier, il essaye de photographier, il essaie ce qu'on appelle de recruter exactement là, la réalité de quelque sorte. Alors, c'est la raison pour laquelle, si nous laissons un peu Balzac, on prend ce qu'on appelle d'autres écrivains qui vivent ce qu'on appelle. Qui abordent ce qu'on appelle dans la même sens, c'est pas ça comme vie de mon passant. Oui, quelle est l'illusion de vrai? Certes, ce n'est pas dire vrai, mais essayer de suivre ce qu'on appelle la logique ordinaire des faits. Alors là, on sait qu'effectivement, c'est le roman comme vraisemblance, parce que le roman, c'est le roman aide la société à analyser, à reproduire, à photocopier ce qu'on appelle les faits sociaux. Maintenant, on continue dans la thèse, les thèses qu'il doit développer, c'est le roman ce qu'on appelle comme vraisemblance. Maintenant, il continue. Ensuite, vous nuancez ce point de vue. Quel point de vue? Le roman comme vraisemblance, la position donnée par Balzac. Maintenant, en nuançant ce livre, il faut annoncer, il faut mettre en évidence la thèse. Vous voyez, en démontrant qu'il sait qu'il sait le roman, ne doit pas. Arrêtons un peu autour de ce qu'on appelle cette négation-là. J'ai le but de le dire, toute négation, ne pas, ne point, ne guerre, ne point, etc., ce sont des régimes. Alors, le roman ne doit pas forcément reproduire la réalité. Et si le roman ne reproduit pas la règle, forcément, le roman met en évidence la fiction, la fabulation, le mensonge, l'irréel, l'imaginaire, tout ce qui dépend de cadre de la raison. C'est la raison pour laquelle, dans la nuance, il faut démontrer que nous avons ce qu'on appelle le roman comme vraisemblance. Même si l'élève n'était pas sûr de lui au niveau de la thèse, il fait ce qu'on appelle la méthode de l'arrangement. Qu'est-ce qu'on entend par l'arrangement? La première idée pose problème, laissez cette première idée et regardez la deuxième idée. Si on voit que le roman ne doit pas forcément reproduire la réalité, forcément dans la thèse, le roman doit forcément reproduire la réalité, ça devient le roman comme vraisemblance. Maintenant, nous sommes toujours dans la logique de la vraisemblance et de l'invraisemblance, la réalité et la fiction. Maintenant, il change un peu, on n'est pas fin. Qu'est-ce qui se passe? Vous rappellerez que le romancier, comme par exemple, les Balzac, les Flaubert, les Camaralaï,
les ruisseaux, les musées, bien entendu, le romancier peut s'inspirer de sa propre vie. Il fait allusion à sa propre vie pour nourrir son jeu. Forcément, nous ne sommes plus dans la logique d'un travail uniquement sur la réalité de la fonction, parce que là, vous avez compris qu'on a dégagé ce qu'on appelle la fonction de biographie. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Dans ce genre de sujet, comme j'ai dit, nous avons mélangé la réalité de la fonction plus les fonctions. Là, on pouvait dire, enfin, vous rappelez que le romancier s'inscrit dans la société pour dénoncer ce qu'on appelle les comportements de ces derniers. Dans ce cas, ça dénonce ce qu'on appelle les fonctions, mais cette fonction attirée, qui nous a attirés dans cette fonction, ça s'appelle le roman comme autobiographie. Comme j'ai dit tantôt, dans la thèse, vous avez le roman comme vraisemblance. Il est là, avec l'expression d'abord vous montrer. Dans la biographie, vous avez le roman comme invraisemblance, qui ne doit pas forcément reproduire la réalité. Et dans la biographie, ce n'est pas la synthèse entre la fiction et la réalité, mais vous avez ce qu'on appelle la fonction autobiographique du roman. Maintenant, dans ce cas, l'élève qui fait son introduction, c'est très simple. Faites comme si l'autobiographie n'existait pas. Et je vous donne beaucoup de conseils. Il y a une erreur que les élèves peuvent être. Les élèves, en suivant le sujet, ils se permettent de se baser au niveau de la consigne. Non. La consigne peut être fermée. Et si la consigne est fermée, l'élève est obligé d'exploser le sujet pour essayer de comprendre. Maintenant, à chaque fois, en suivant, en reformulant, en parlementisant, on se base à 100% sur le sujet. Maintenant, en élaborant ce qu'on appelle le plan, si la consigne est liée, il faut se baser à 100% au niveau de la consigne. Pour situer le sujet, la fiction et la réalité dans l'œuvre romanesque, dans l'espace romanesque du moins, a toujours été source de polémique de la part des romanciers. Balzac est défend la vraisemblance. Maintenant, continuer avec la polémique. Et ainsi, c'est de considérer que le romancier doit tenter d'imiter la réalité. Pour d'autres, par contre, il doit privilégier l'aspect fictif dans le roman. C'est dans cette logique que, dans l'avant-propos de la comédie humaine, Balzac apporte cette précision. Jusque-là, et vous fermez la pensée, vous fermez le sujet bien avec ces deux maintenant. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? L'élève, maintenant, il, après avoir annoncé le sujet, il donne sa reformulation. Autrement dit, le romancier doit reproduire fidèlement les feuilles sociales. Maintenant, au niveau de la problématique, toutefois, le roman se limite-t-il réellement à l'histoire du mars? Maintenant, au niveau du plan, évitez, encore une fois, le bac s'approche. Je vous donne encore ce conseil. Je vous le dis à chaque fois, évitez de recopier la pensée. Parce que vous pouvez exposer à des sanctions. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Refroquer la consigne à votre guise ou bien vous sortez des noms que nous allons au niveau second dans le travail préalable. D'abord, nous expliquons l'idée sur laquelle le roman est vraisemblable. Ensuite, nous démontrons sa dimension invraisemblable. Et enfin, nous prouvons que le roman va raconter sa propre vie. Ou bien enfin, nous prouvons sa vocation autobiographique. Et vous avez votre introduction. Maintenant, c'est très simple. Dans la thèse, attaquez avec la phrase présentative. Le roman va prendre en compte le reflet du réel. Développez le premier paragraphe. Si vous terminez, vous partez à la ligne, vous mettez un autre, vous attaquez le deuxième paragraphe. Si vous terminez avec la référence, vous fermez avec la conclusion partielle. Ensemble, le roman est une reproduction du réel. Maintenant, vous attaquez la nuance. Cependant, le roman peut être invraisemblable. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est ça qu'on appelle la phrase de transition. Parce qu'il y a des éléments qui confondent la phrase de transition et la phrase présentative. Les deux sont diamétralement opposés. Dans une nuance, la phrase de transition précède la phrase présentative. Cependant, le roman est invraisemblable. Maintenant, la phrase présentative, en effet, le romancier doit prendre en compte la fiction. Vous développez le premier paragraphe, vous terminez, vous partez à la ligne, vous mettez un autre, vous développez le deuxième paragraphe, vous terminez comme vous avez fait précédemment avec la conclusion partielle, fermez avec la conclusion partielle. Voici quelques arguments qui démontrent les sur lesquels le roman est invraisemblable. Ou bien le roman est par essence fictif. Maintenant, attaquez ça avec la phrase de transition. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Au niveau de la nuance, je l'ai attaqué avec la phrase de transition, je dois faire la même chose. Mais on peut attester au roman à une dimension autobiographique. Oui, ça c'est la phrase de transition. Maintenant, la phrase présentative, en effet, le roman c'est de raconter sa propre vie. Maintenant, vous développez le premier paragraphe jusqu'à la référence. Vous fermez cette référence, après vous partez à la ligne, maintenant vous mettez en outre, vous développez votre autre paragraphe, vous fermez avec la conclusion partielle, ainsi analyser, ou bien ainsi ce qu'on appelle appréhender le roman des personnes, ou bien le roman bibliographique, et vous avez ce qu'on appelle votre développement. Maintenant, après ce développement, précédé de l'introduction, ne sous-estimez pas la conclusion. C'est très simple. Vous avez le bilan, vous avez l'opinion personnelle, vous avez la perspective. Le bilan, vous regardez ces trois astuces, les trois parties. S, nuance 1, nuance 2. Au bout du compte, il ressort de cette analyse que la mission du romancier est plurielle. Maintenant, vous faites là le résumé. Ainsi, c'est de considérer en demande ce qu'on appelle par la thèse.
Ainsi, au moment où certains préfèrent mettre en évidence le roman comme imitation du réel, d'autres par contre se soucient de la fiction et de leur propre vie. Maintenant, vos premières positions, l'opinion personnelle. Premier, parmi ces trois, choisissez une des votations. En ce qui nous concerne, nous pensons que le romancier doit tenter de photographier fidèlement la réalité au lieu de s'attarder autour de l'irréel et ce qu'on appelle de son moi. Maintenant, vous dégagez la perspective, cependant, le roman n'a-t-il pas d'autre vocation et avec moins de faute, l'élève s'en sortira ce qu'on appelle facilement. Moi, je pense que nous sommes là, nous sommes obligés de nous arrêter au fond de notre jour. On vous donne rendez-vous dans 15 jours sur l'option YouTube. Je vous remercie de votre attention.